Donc, Isco, c'est une ONG italienne, Vanda Dimitri, je suis la représentante du pays et la chef du projet SODIPE. Dans les cas là, on est dans le cadre du projet SODIPE, c'est un projet financé par la coopération italienne qui travaille donc dans le secteur de la pêche et de l'environnement dans la zone de Ziguinchor et dans les cas spécifiques dans la zone de Nyambalang, le village de Nyambalang. On a commencé le projet en 2015 et maintenant on est dans la troisième année et dans le cadre du reboisement des mangroves et des derniers 15 hectares du reboisement. Et on a choisi le village de Nyambalang avec l'aide de l'ONG Agada qui est partner du projet dans le secteur de l'environnement. Et on est arrivé en 2015, on a rencontré l'ancien chef du village et on a décidé de choisir la zone. On a commencé les activités et après qu'on a commencé les activités, on a vu que le village est très engagé et donc on a décidé de modifier, d'augmenter notre intérêt dans la zone et on a aussi fait des autres interventions comme les quatre pirogues au bénéfice des pêcheurs du village. On a construit un abri dans lequel il y a la machine de cortiqueuse et maintenant on est en train de terminer la construction d'une case de tout petit, toujours dans le village de Nyambalang et on espère que dans le mois de décembre on va inaugurer la casa. E donc ça c'est pour montrer vraiment che il village travaille bien et che on est vraiment content et satisfait de l'aide du village mais aussi de toutes les autorités qui sont dans la zone. Donc les maires de Oukout, les préfets, les inspecteurs de pêche, ils sont très engagés, ils nous aident et ils nous encouragent à rester à travailler dans la zone parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes. Et on remercie aussi les rois de Ussoï qu'on a rencontrés, ça fait 15 jours, qui aussi nous ont encouragés à travailler dans la zone et de rester et d'amplier les activités.